Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Ratchet & Clank Rift Apart avec l'épisode 4. Comme d'habitude, un truc à boire ou à manger, on va se retrouver une bonne demi-heure ensemble. 4K 60 FPS, un casque ou des écouteurs, plongez-vous dans le noir et on est parti. J'espère que vous êtes chaud parce que il y a une sorte de dinosaure bien évidemment à affronter qui est en train de démonter des méchants, mais c'est pas vraiment mon combat hein. Là honnêtement, je pense même que le boss a perdu un peu de vie le temps qu'on papote. Il en est à combien là le boss? Hop, je le taquine. 85%, il a perdu 15% de vie. Je ne l'ai pas touché, voilà, je ne l'ai pas touché. Regardez, il continue de perdre de la vie. Donc, j'ai envie de vous dire, est-ce vraiment notre problème? Ok, c'est notre problème, c'est totalement notre problème. On va s'en occuper très très vite. T'inquiète. Alors, voilà. Ok. Wouh. C'est bon, pas de soucis les potes. On le gère plutôt bien en vrai, je ne suis pas peu fier. Allez, ça dégage. Voilà, ça dégage. Et ben voilà. 3 rariratium, ça va me permettre d'augmenter les armes. On s'est régalé. Je suis désolé, bon bah oui, mais on commence par un boss et on se régale. Il peut pas très très dur pour être très honnête avec vous. Bonsoir les gars, ça va ou pas? Alors attendez, j'arrive les potes, parce que je sais que vous êtes fait un petit peu casser la gueule. Ok, bon j'arrive tout de suite, je vois que vous êtes impatient. Mais qu'est-ce que c'est? Ok. Et tout? D'accord, très bien, ok, bon il suffisait d'appuyer sur 3 petits boutons et puis ils s'en vont. On a quelque chose là-haut. Ça c'est bien ça, c'est intriguant, j'aime bien ça. Laisse-moi deviner, le truc de mon gant peut interagir avec ses failles. L'allonge dimensionnelle, oui. Essaie de viser la faille. Je voulais juste voir si on n'avait pas des petits coureurs là, non? On n'a pas un petit truc pour galoper au calme? Regardez. Là-haut là, qu'est-ce qu'on a? Encore what? Intéressant ça, regardez. Bougez pas, est-ce que par hasard... Grâce à un petit coup. Ben voilà. Nickel. Ça c'est fait. Et là on peut pas y aller. Ça sert à rien. Bon bah c'est plutôt pas mal. On a récupéré un tout petit truc rare qui nous permettra de faire une augmentation d'une arme. Ça c'est clairement pas négligeable. T'énerve pas. Trivette hein. Ouais, maintenant on est dans Wolfier Texas Ranger. Attendez, je leur casse la gueule. Voilà. Oh, quoi? Ok, ça c'est fait. Un autre problème peut-être par ici? Bah, il me disait bonjour le con. Ah, il a pas compris le but du jeu lui, hein. Il est mort. Il est totalement mort dans d'atroces souffrances. On va casser tout ça. Oh, les impacts de balles, j'avais pas vu. Eh, bien fait, hein, c'était live. Bien choisi. Ok. Vous êtes passés où les cocos là? Oh là là, mais c'est quoi ce rayon? C'est un bordel, c'est pas possible. On peut pas me donner ça dès le début du jeu les gars. Oh. Allez, niveau supplémentaire du pistolet mitraille. Très très bon ça. Très bon. Celui-là aussi est bientôt niveau sup. Mais le pompe aussi. Ça. Wouh. Ça permettra des augmentations. Un peu plus rapidement, évidemment. Ça c'est fait. Ok. Ok, ça c'est pas cool. Très bon ça. Suivant. Wow, bien joué, vous avez failli me faire tomber. Oh, c'est pas vrai, beaucoup trop fort. Ça par contre, pour les accrocher, mon pote, va falloir se réveiller tôt. Hein. Accrocher des grenades en l'air comme ça,
Je me sens pas encore formé pour... Ouais non, c'est n'importe quoi, ça tire n'importe où, c'est terrible. Les gars, ça va un peu n'importe où. Et ben voilà. Maintenant, on baisse le pont. Ok, pas mal. Non, dis-moi que c'est une blague. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là-haut? Les gars, on est où là-haut? Il doit y avoir un autre moyen de passer. Eh oui, t'inquiète pas, on va s'en occuper, Rivette. C'est horrible parce que vous savez comment je retiens le nom de Rivette? Je pense littéralement à Trivette de Walker Texas Ranger. Et c'est comme ça que j'arrive à retenir qu'elle s'appelle Rivette. Mais des fois, des formations professionnelles, malheureusement. Oh, regardez, attendez. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Parce qu'il y a un truc qui m'intrigue là-haut. Et on est obligé. Quand c'est trop. Bah, c'est trop pipo. Et ben, ça, c'est bien dommage. Alors, attends. Attends. Déformation professionnelle, encore une fois. On va aller check là-bas. Ok, ça, c'est les limites du réel. On a bien quelque chose ici, hein. On a bien quelque chose ici. À l'usine de gélatonium. Qu'est-ce que c'est que ça? L'usine de gélatonium. C'est là où il y a Clank, non? Alors attendez, attendez. Alors là, le doute. Quoi? Ah, c'est juste une TP. Ah, c'est pas dingue. Ça fait pas rêver, hein, vu comme ça. Hein. Attendez. J'aime bien comment il court. Avec ses petites pattes, le bordel. On va aller check vite fait dans cette zone. Peut-être quelque chose d'intéressant. Mais pour l'instant, non. Oh là, attendez. Oh là, attendez. Je suis in the sauce et je sais pas où j'ai atterri. Et c'est terrible. Je suis déjà à la fin du jeu. Voilà. C'est pas vrai. Ok. Oh, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? What? Dégage! Ça va n'importe où! Oh, on est... Je vais mourir. Quelle vie! Il y a de la vie, il y a de la joie. On garde le sourire! Tant qu'il y a de la vie, on garde le sourire, s'il vous plaît. Wouh! Wouh! Putain, mais c'est lui qui m'envoie des bordels, là. Ok, on va l'annihiler, hein. On va l'annihiler, le bordel. Let's go! Ok, on reste focus, s'il vous plaît. On a bientôt encore changement d'arme. Et ben voilà. Alors, on va tout récupérer avant de céder à la panique immédiate. Toujours aussi magnifique, hein, évidemment. Ce jeu incroyable. La belle surprise. On se doutait que Ratchet allait être bon. Oh, Sugoi. On a toujours pas vu à quoi ça servait tout ça. Hein. Mais vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Sugoi. Mais on savait que le jeu allait être bon, mais aussi surprenant qu'il est, on s'en doutait pas deux minutes, et c'est une très très belle surprise. Félicitations. Alors, on est parti, ça je pense que regardez ce qu'on va devoir faire. Non. Ok. Ça c'est très embêtant ce qui vient de se passer. Ah, peut-être. Tu machines ? Oh, l'impact est giga bien fait, mais c'est pas ça. Malheureusement, je ne suis pas une machine ce soir. On va pas rester Keblo, les gars. Hein. Je peux vous rassurer, on va pas rester Keblo. Ah, putain, ok. Eh, mais je suis un con. Alors là, on pouvait utiliser le... Voilà, vous avez compris. Et ben, on va réutiliser celui-ci. Je sais plus, par contre, la touche pour accélérer. On va improviser. Coucou, mon scarapide ou je ne sais quoi. J'ai intérêt à me régaler, mon ref.
Ah! Ouais, mais les gars, il n'y a pas de faille, il n'y a rien là, je peux rien faire. Hein. Oh non! J'aurais dû écouter ce qu'elle a dit, la dame. Oh, je vais me faire engueuler, c'est terrible. Ah non, attendez. Attendez. Y a pas un bail à faire là-dedans, là? Attendez, on sait jamais, hein. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Peut-être... Bon, il y a forcément ça à prendre, mais j'ai vraiment pas compris le... Bon, toi, la planque. Mais j'ai bien compris où elle est, la planque. Hein. Peut-être qu'il y a juste rien à faire, les potes. Peut-être qu'il faut se rendre à l'évidence, on est cuit. Et ça, ça me casse les couilles. Ils traînent au-dessus de nous depuis tout à l'heure, là, c'est terrible. Les amis, je sais pas quoi faire. La sensation d'être Keblo et il n'y a rien de pire. Ah non, ok, d'accord. Ok. C'est bon. On va ressortir par ici et au diable l'avarice. Ça suffira. Il y a cette musique là quand même. On va passer par ici et on repassera par là. Alors, rends-toi la planque, ça j'ai bien compris mon petit pote. On va le faire, ne vous inquiétez pas. Ok. Bougez pas, j'essaye de comprendre un peu là. Bonsoir madame. Oh, ça ne s'arrête plus. Le ricochet. Appuyez sur la gâchette de tir pour le lancer sur votre misérable ami. Hein? Quoi? Comment? C'est tout bonnement incroyable. Le projectile se remet en place. Et après, appuyez sur la gâchette de tir pour le frapper encore et encore et encore. Ok, c'est pas mal ça. Hop, c'est acheté même, j'ai envie de te dire mon petit pote. Niveau amélioration, en vrai on peut améliorer pas mal de choses. Comme le pisto, n'est-ce pas, qu'on va faire de ce pas. Hop, regardez ce que ça déverrouille, c'est assez insane. Les tirs à la tête infligent plus de dégâts. Et là, si tout va bien, augmente encore la cadence de tir en mode précision. Mais ça, c'est incroyable ça. Augmente la quantité max. Ça... Ça, c'est incroyable. Ok. Le collisionneur, qui est quand même plutôt incroyable, mais qui n'a pas monté le niveau encore. L'exécuteur, c'est quoi ça déjà? L'exécuteur, c'est le pompe, non? Ok. Ça, c'est fait. Let's go. Hâte de voir à quoi ça va ressembler. En tout cas, il est incroyable. Il est incroyable. Bon, nous voici au même endroit, et là, je vous avoue que le doute m'habite fortement. Je vois pas vraiment... Alors, où on peut aller? Je vois vraiment pas où aller, là. D'accord. Alors, en vrai, c'est cool. Est-ce que c'est faisable? Je ne pense pas. Est-ce qu'on va le faire? Faut jouer avec nos balls. Et ça, ça fait rien quand on appuie dessus. C'est très bizarre, hein. C'est très bizarre, hein. Là, je vous avoue que je suis... d'accord. Non, mais là, c'est interdit d'aller là-haut. On ne peut pas aller là-haut, de toute évidence. Ça, par contre, on peut... Putain, mais c'est incroyable. Je vais pas être Keblo, les gars. Oh, il se passe quoi? Réfléchis, B-Boy. Terrible. On a un caillou, mais bon, caillou, on n'a rien à péter. Comment c'est faisable? Attendez, j'ai vu quelque chose de nouveau, là. Ce vaisseau bleu, c'est quoi, ça? Non, mais on peut pas y aller.
Il y a un mur invisible. Oh, c'est terrible ce genre de situation, c'est terrible. It's terrible. Incroyable. Mais en plus, je suis sûr, c'est tout con, mais comme d'habitude. Alors, attendez. On va passer par ici, hop, et on repassera par là. Qu'est-ce que ça peut être? Ok, mais à droite c'est interdit, hein, on est bien d'accord, hein, parce que j'ai vu qu'il y a des trucs inexplorés, mais on peut pas. Là, je vous avoue que je vais essayer un truc. Incroyable, je suis un putain de monstre. Non, mais voilà, faut le dire, je suis un putain de monstre. Bon, un boulot en or, c'est plutôt pas trop mal. On a failli mourir en plus, hein. Ok, c'est 25 éparpillés dans tout le jeu, me semble-t-il. Mais là, réellement, les potes, je vois vraiment... Bonsoir, ben, faut pas vous cacher, les gars. Faites des cochonneries, qu'est-ce qui se passe ici? Là, je vois sincèrement pas où aller. Voilà, je vais être totalement franc avec vous. Toujours dans la transparence. Incroyable, les amis, on est bloqué dans Ratchet & Clank, putain, qui l'eût cru. Je vous l'avais dit, hein, que c'était pas si simple, hein. Ouais. Ça peut être que dans la nouvelle zone, là-haut. Ça me taraude l'esprit. D'accord. Putain, c'est quoi ce délire? Mais c'était pas possible avant. Mais attendez. Mais c'est possible finalement. Quelle est cette magie obscure? J'ai le seum. Mais quoi? Attendez, il se passe quelque chose, les potes. Il se passe quelque chose qui me plaît pas beaucoup. En fait, il faut juste insister, mais en fonction de l'angle. Non, tu déconnes, là. Oh, mais où, là? J'étais presque! Mais c'est ça, en fait! Non, mais c'est pas possible! Vraiment, là, le doute m'habite, hein. Mais vraiment m'habite, hein. Ah non, on peut pas, il y a un mur invisible. Mais what the fuck, les amis, c'est David Lapace. Vous me reconnaissez, c'est moi. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Alors, est-ce qu'il y a un bug? Est-ce que j'ai loupé quelque chose de très important? Moi, ce que je trouve bizarre, c'est cette nouvelle zone, finalement. Il n'y a rien. Et il devrait y avoir quelque chose, normalement, activé ou autre. Mais est-ce que je suis passé par un endroit où il ne fallait pas passer? Je ne sais pas. On va aller checker quand même. On va faire tout le tour. Putain, mais c'est incroyable. Il y avait un boulon en or. Bon, attendez, je reviens. Allez, re tout le monde, on est parti pour la suite de notre aventure. Je suis allé checker sur internet parce que je trouvais ça bizarre. Et effectivement, vous connaissez ma chance légendaire dans les jeux vidéo. Il n'y a pas un jeu qui m'échappe à ce niveau-là. On a rencontré un bug. Au moment où on a affronté le dinosaure, normalement, les boutons poussoirs rouges auraient dû devenir vert. Et ensuite, quand on appuie dessus, ça passe au bleu. Et il faut donc appuyer dessus avec quelque chose qui va très vite, c'est-à-dire le petit escargot rapide, là. Et c'était bon. Sauf que, évidemment, on a eu un bug et on avait beau terminer le boss, et ben ça n'a pas enclenché les boutons poussoirs, et ça c'était assez terrible. Voilà pourquoi aussi, d'ailleurs, la musique s'est enclenchée un bref moment. Donc, vous voyez ces boutons poussoirs là, quand on aura fini le boss, il devrait passer d'une bonne couleur. Tout va bien. Terrible, hein. Mais ouais, mais ça arrive qu'à moi. Mais je me disais, c'est bizarre quand même, tu vois. J'avais fait le tour. Bon, on a quand même été récupéré
des boulons en or, et ça c'était plutôt cool, on va pas se tromper. Allez, niveau XP. Niveau XP, dépêche-toi de passer mon arme au niveau sud. Voilà, ça dégage. Et là, regardez les boutons. Voilà, il passe au vert. J'ai plus qu'à affronter un dernier ennemi. Voilà, voilà. Et quand on appuie dessus, ça passe au bleu. Sauf qu'il va falloir passer dessus rapidement. Bon, bah vous voyez, finalement, B-Boy ne s'est pas bloqué à Ratchet, mais Ratchet s'est bloqué à B-Boy. Donc maintenant, on va pouvoir avancer. C'est très bizarre, c'était très bizarre. Écoutez, fallait que ça arrive à une personne. Je vais découvrir la vérité à ton sujet. Et ça m'est arrivé, donc... Si seulement je pouvais parler à Ratchet. Incroyable. Incroyable. Bah non, mais attendez, mais là, les bugs s'enchaînent en ma faveur et ma défaveur. C'est totalement dingue. Donc voilà, c'est bon, c'est beaucoup mieux comme ça, n'est-ce pas? Pourquoi refuses-tu de me faire confiance? Écoute, je suis pas fan des robots. Surtout quand ils sèment le chaos dans ma galaxie. Ce n'est pas mon cas. J'essayais d'aider Ratchet à trouver les autres Lombax. On le saura bien assez vite. Il me suffit de vous scanner, toi et l'inforobot que j'ai trouvé à Nefarious City. Alors, on a un petit monde bonus ici, donc on va ça le faire vite fait. Je dois faire attention. Ok. Oui, c'est vrai que ça en fait des explosifs, là. Ah putain, je suis rassuré. Non mais j'ai vraiment cru être teubé pendant un moment. Je me suis dit putain, mais c'est pas possible. Oh la vache. Peut-être pas ouf ce que j'ai fait là, hein. D'actionner d'avance. Oh non, c'est terrible. Mauvais calcul, excusez-moi. J'ai le vertige en ce moment. Allez, on va y arriver. Voilà. On est bon. C'est exactement ce que m'avait prédit mon horoscope. Oh, c'est la voix de Stallone. Débat. C'est trop fort. Ok. Très bien. Très bien. Ok, on est parti. Aucun problème. Et en plus, ça fait un costume en plus. Ça, c'est plutôt cool. Allez, il y a pas mal de bonus, mine de rien, qui s'enchaînent. Et ça, ça fait plaisir. Et c'est les jambières. Bah oui, mais on a eu le casque la dernière fois, évidemment. Mais oui, c'est clair. Voilà. Et on est bon. Let's go. On revient dans notre réalité. Allez, on devait suivre une sorte de petite lampe qui était notre ami. Enfin, notre ami. En tout cas, qui nous éclairait. Qui faisait bien son boulot, quoi, finalement, pour une petite lampe. Voilà, allez, régale-moi. C'est ça, ma plante ? Eh ben ! Ouf ! On est à l'abri, ici. Je t'assure que ce n'est absolument pas nécessaire. Un Lombax. Ok. Donc, tu n'avais pas menti. C'est ce que je t'ai répété. Plusieurs fois. Ton Nefarious, il ressemble beaucoup au mien. Et il est tout aussi méchant. Quant au Lombax, je sais que ça va te paraître dingue, mais... Tu penses qu'il n'est autre que ton double dimensionnel? Un truc comme ça. Oh, écoute, je sais pas trop ce qui se passe, mais on va arranger ça. Oh? Mais tu détestes les robots. Enfin, je crois... Pas tous les robots, juste... la plupart. Tu sais, comme l'Empereur, ces imbéciles de serviteurs, les pirates... Ouais, je sais, c'est plutôt ironique. Oh, je suis vraiment navré. Je n'avais pas l'intention de... Tu culpabilises? C'est quand même moi qui viens de fouiller dans ton journal intime.
Non, je veux mon clank là. Oh, rendez-moi mon clank. C'est quoi ces conneries là? Je veux mon clank, les gars. Je peux pas continuer cette aventure sans clank. C'est Ratchet & Clank ou quoi là? On est où? J'arrive, mon frérot. Ça dégage ça, hein, les petites tortues de mort là. Le stabilisateur de vol de l'astropode doit se trouver sur son dos. Si j'arrive à le détruire, ça devrait suffire à l'arrêter. Très bien, j'ai noté. Mais alors comment? Ah, ok, d'accord. J'ai compris. Ah, attendez, c'est vrai. Ça passe. Let's go. Allez, on est parti! Ça va swinguer! Ah, ça, j'étais pas prêt à ça! Ok, ok, faut comprendre. Wow! C'était magnifique, on ralentit en plus! Oh, c'est moi, j'ai mis un mec. Ok. Il est grand temps de changer de tactique. Déploiement d'explosifs amphibies. Allez, c'est parti, les potes. On va essayer de s'orienter convenablement. Toujours essayer de retourner sur son dos si possible. Ok, juste en face, ça me paraît osé. Mais ça me paraît faisable. Ah, ouais. Yo les gars, ça va ou quoi? Pour atteindre le stabilisateur de vol, je dois d'abord grimper sur son dos. Let's go, t'inquiète, on s'en occupe les salauds. Oh, c'est tellement stylé. Putain! Allez, deuxième phase! Désolé, je suis très concentré, c'est un boss de catégorie 9. Ok, mon arme est au niveau max, ça sert plus à rien de l'utiliser. Wouh, bien joué, première fois que tu me fais ce coup-là. Wow, qu'est-ce qui m'arrive? C'était terrible, vous avez rien vu, hein. Ok, alors là, ça c'est la merde. Aïe! On va faire comme ça, hein! Ah, la grenade, mon pote, à l'ancienne! Oh là 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 là, c'est incroyable là! Qu'est-ce qui vient de se passer? Let's go! C'est 1% par grenade et j'ai plus rien du tout. Attends. Voilà, let's go! Est-ce que ça va, Boulon? Tu es venu me sauver? Merci. Ouais. Après tout, on a encore une affaire à régler, toi et moi. On devrait aller voir si Mork a réparé le vaisseau. Et on va s'arrêter là, les amis. Fait, je sais pas combien de temps j'en suis avec toutes les petites couilles qui nous arrivaient. Ce serait merveilleux. Ce sera pas aussi cool que ce qu'on va trouver dans cet info-robot, mais ce sera pas mal.
Mais on va s'arrêter là juste après la petite cinématique. Le vaisseau n'a plan. Oh. Tu l'as réparé. Merci beaucoup. Tu et es ben prêt voilà. Oui, absolument. Et on verra ça lors de notre prochain épisode. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire, on a eu un petit bug, mais c'est pas moi qui étais en tort. Et rien que pour mon ego, c'est satisfaisant. À bientôt tout le monde, voilà, tout simplement, gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, hydratez-vous aussi, c'est très important. Ciao tout le monde, bye.